vous avez compris, ici je vais vous parler d'une Ferrari pas comme les autres. C'est la Maggiore Project M. Alors il est prévu de n'en faire que 40. On verra si ça en fait 40. Le principe, c'est de prendre une 308 ou une 328, de refaire toute la carrosserie. Et oui, tous les panneaux sont en carbone et sont totalement modifiés. En particulier, l'arrière, vous le verrez, qui est assez sympa. On rajoute un spoiler, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbone. On change les phares en mettant du LED à tous les étages. Et puis, bien sûr, quand même, parce qu'on n'est pas complètement fou, on change les suspensions en mettant les choses un peu plus performantes. Les passages de roues sont revus pour avoir des plus grosses roues. On met des plus gros freins. On revoit aussi le moteur qui peut monter jusqu'à 400 chevaux. On fait des petites retouches de ci, de là. Et puis, on met un petit peu de bleu. Ça fait un petit peu mode électrique alors que c'est du 100% thermique. Là, vous voyez beaucoup, beaucoup de carbone avec une petite lame aussi derrière. Et puis, on revoit aussi l'intérieur parce que c'est un peu des fans de design. Le patron a travaillé chez Alfa et chez Burton. Donc, c'est un peu un fan de design. On fait un pommeau en marbre. On fait un intérieur avec des cuirs spécifiques, des tissus spécifiques. On revoit toutes les manettes, la planche de bord. Tout est retravaillé pour essayer d'avoir une voiture resto-mode complètement modernisée. Et puis, il n'y a pas de problème d'homologation. Parce que là-bas, c'est vous qui fournissez la voiture et ils font derrière toutes les modifications pour que vous ayez une Ferrari qui soit très différente comme celle-ci où le rouge est devenu orange.